Le livre de Catherine Cussel, La définition du bonheur, c'est un très grand livre. Franchement, c'est un très très grand livre paru chez Gallimard dans la collection Blanche. C'est l'histoire de deux femmes. Alors, il y a un chapitre consacré à chaque femme. On ne voit pas bien le rapport. Évidemment, on va le comprendre. Il y en a un. Il y en a une qui est une femme qui vit à New York, qui est mariée, qui a des enfants. Et l'autre qui est une bouffeuse de vie, qui a aussi des enfants, mais qui a un rapport à la maternité un peu compliqué, qui vit à Paris. Le roman s'ouvre, elle vient de mourir. Et donc, c'est l'histoire de sa vie, l'histoire de l'autre femme. Donc, ça parle d'amour, de fidélité, de mariage, des enfants, du rapport aux enfants, qui parfois nous emmerdent un peu, du rapport à la mère. Enfin, il y a plein de choses dans ce livre. C'est un très grand roman. Franchement, c'est un des plus beaux styles français. Elle a une écriture exceptionnelle. Franchement, c'est deux destinées. C'est la maternité, c'est le vieillissement, c'est le bonheur. C'est, franchement, vous le commencez, vous ne le lâchez pas. Catherine Cussel. On va le lire. Hein. Je vais vous lire ça la semaine prochaine. Oui, vous me direz. La définition du bonheur, c'est chez Gallimard.